je ne vais pas bien, tu sais. Elle était ici. Merci. Oui, merci. Elle est venue, bébé. Elle est venue ici, je te dis. Bébé, elle est venue me faire du mal. Oui, elle est venue avec un flingue et son frère. Oh, bébé, je... Chérie, c'est comme si je veux perdre notre bébé. Je ne veux pas perdre notre bébé. Je préfère mourir. Bébé, ils sont venus pour tuer notre bébé. Notre seul fils. Je meurs. Je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est merci. Merci, elle est venue ici. Elle est venue ici pour me tuer. Elle est venue me maltraiter ici parce qu'elle veut que je perde le bébé. Merci est venue ici. Elle a eu le culot de revenir dans cette maison. Et elle a osé poser ses mains sur toi. Je te dis qu'ils m'ont pris, ils m'ont maltraité, ils m'ont tellement frappé que j'ai mal partout. Regarde ça comment va, j'ai mal. J'ai vraiment très mal, chérie. Ne t'inquiète pas. Faut que tu montes dans ta chambre. D'accord, bébé, d'accord. Non, je ne peux pas marcher. Il faut plutôt me prendre. Prends-moi, s'il te plaît. Doucement, je vais me tuer, Charles. Salut ma soeur. C'est quoi encore? Ne me dis pas que tu es en train de pleurer pour ce pauvre mec. Écoute-moi ma soeur. Tu es toujours jeune et très belle. Et crois-moi. C'est possible de se remarier et avoir des enfants. Donc, arrête de te faire des soucis. Charles. Charles ne connaît pas la valeur de la femme qu'il a. Il finira par se mordre les doigts. Bien sûr qu'il le regrettera. C'est vraiment sûr. Spécialement à cause de cette prostituée. Cette pute avec qui il m'a remplacé. Oh, Charles. Ça me semble toujours comme un cauchemar que Charles ait pu me faire un truc pareil. Mais attends, je ne crois pas à mes yeux que Charles puisse faire ça. Quelque chose me rassure que cette fille a dû utiliser des charmes sur Charles. Des charmes? Oui. Oh non, aucun charme. Attendons quand même de voir. Charles. Joy. 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 Monsieur, j'arrive déjà. Vous m'avez appelé, monsieur. Oui. Mais où étais-tu quand Messi et son frère sont venus tabasser ma femme ici? Monsieur, je n'étais pas dans la maison. Elle m'avait envoyé au marché et à mon retour, je l'ai vue en train de boire. De boire? Oui, boire, monsieur. D'accord, tu peux retourner à tes travaux. Merci, monsieur. Monsieur, mais vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Monsieur, ce jeune homme ici a refusé que je l'annonce avant d'entrer. Du coup, il m'a devancé. Ok, vas-y. Va te faire foudre. Slay, qu'est-ce qu'il y a? Ferme-la et laisse-moi parler. J'ai appris que tu es venu me manquer et je suis là pour t'écouter. Je suis venu pour te demander à toi et à ton infertile de sœur de bien vouloir rester loin de ma femme et moi. Ça va pas chez toi, mon vieux. Tu oses traiter ma sœur d'infertile?
Je ne crois pas mes oreilles. Après tout ce que vous avez traversé ensemble, tu t'entends parler? Est-ce que tu as fini de bavarder? Mais attends, tu te prends pour qui là? C'est moi qui ai le flingue pointé sur toi. Alors tu te tais, tu m'écoutes? Juste quelques jours pour que tu reprennes tes sens. Sinon je te renvoie au caniveau auquel tu appartiens. Je me suis fait comprendre? Tu as fini de parler? Est-ce que tu m'as bien compris? Tu as fini de parler? C'est à moi que tu parles? Si j'ai fini de parler? Tu parles de qui, Charles? Méfie-toi. Tu ne sais pas qui je suis. Je reviendrai pour toi. Je promets revenir pour toi, Charles. Tu vas regretter tout ceci. Et c'est une promesse. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Fait plus d'un mois que je suis seule maintenant. Mais j'aime ça. Oui. Mais seulement, certaines choses me manquent. C'est tellement bien d'être mariée et d'en profiter avec son amour. Là, ça me manque. J'aimerais tellement le tromper, cet imbécile. Mais je ne peux pas. Oh non, Seigneur. Sly. Comment ça a été? Mais ce gars est un animal. Il a eu le culot de te traiter d'infertile, tu vois ça? Oh merde, j'aurais dû lui placer 2 balles dans la jambe. Si c'était pas à cause de toi. Oh Charles, merde. Charles m'a appelé comme ça? C'est comme ça il t'a appelé. Oh Charles, mais ne t'en fais pas ma soeur, ne t'en fais pas. Juste un peu de temps. Il finira par se rendre compte de ses erreurs, mais ça serait trop tard. Je te dis, Charles est un monstre. Ah Charles. Charles m'a traité d'infertile. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Moi, femme infertile. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, madame. C'est juste que la musique est trop forte et vous devrez la diminuer. Ici, c'est un quartier résidentiel. Vous ne devez pas déranger les voisins. Mon Dieu. C'est comme ça que ta bonne te parle? Hey! Joy! Joy! Viens ici. Je dis, viens ici. Dépose-moi ça. Dépose-moi ça là, idiote. Agenouille-toi. Agenouille-toi, vieille folle. Hein? Hey! Tu es devenue folle? Tu as mangé du poison, c'est ça? Tu es devenue folle? Donc tu as le culot de me dire quoi faire dans ma propre maison? Es-tu stupide? Ma soeur, je me demande. Hein? Hey! Et tu as même encore le culot de me dire qu'ici, c'est un quartier résidentiel. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux vraiment comprendre ce que tu veux dire par là. Vas-y, enseigne-moi. Madame l'enseignante, enseigne-moi. Vas-y, enseigne-moi. Oh ma chérie, tu n'as pas encore compris le tableau? Elle essaie de te faire comprendre que tu n'as jamais été dans une maison pareille comme celle-ci. Oh mon Dieu, je souffre. Je souffre dans tes mains. Hé, hey, vieille folle, si j'arrache tes cheveux de ta tête maintenant, tu vas voir. Si j'arrache ça là, tu vas voir ce que je te fais.
Ça y est, lève-toi, non? Je vais m'éduquer. Maintenant, ramasse ce plateau et sors d'ici. Quoi? Tu attends encore? Je dis, sors d'ici avec ce plateau. Dégage! Sors! Idiote! Vraiment, mais qui elle se prend? C'est toi qui as acheté la parcelle? Idiote! Que mon mari rentre, on saura qui est le propriétaire en toi et moi. Si c'est moi qui vais partir ou c'est toi qui vas y aller, on verra. Folle! Regardez-moi celle-là. Un rat de banlieue aussi fatigué comme celle-là. C'est toi la propriétaire de la maison? C'est ici ma résidence, non? Je suis la propriétaire. Pardon, oublie celle-là. Regarde-moi comment elle est, vilaine fille. S'il te plaît, ma chérie, laisse tomber. Macha, comment ça? Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? C'est Joy. Mais que veux-tu dire par Joy? Joy est ta domestique. Joy. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Peux-tu imaginer? Joy m'a maltraité aujourd'hui. Ah, Charles, écoute, c'est parce que je te respecte. C'est parce que je te respecte beaucoup en tant que mari dans cette maison. Sinon, si je lui fais du mal, elle va voir. Je ne blague pas, hein. Attends. Laisse-moi bien comprendre. Joy t'a maltraité, ce qui veut dire qu'elle t'a tapé, c'est ça? Qu'elle essaie ça pour voir ce que je vais lui faire. En tout cas, elle était à un doigt de le faire, hein. Elle était à un doigt de me maltraiter, de me taper, je te le dis, hein. Elle était à un doigt de me faire du mal, hein. D'accord. Chérie, je suis désolé. D'accord? Je suis désolé, mais je vais m'en charger. D'accord? C'est ce que tu dis toujours, je vais m'en charger, mais tu ne fais rien. Chérie, je te promets que je vais m'en charger. D'accord? Très sûr. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Alors, comment a été ta journée aujourd'hui? Eh bien, c'était un peu bizarre. Bizarre? Oui. Peux-tu imaginer que Sly est venu à mon bureau, pointer un flingue sur moi, me menacer? Sly. Oui, Sly. Attends. Sly a pointé une arme sur toi? Oui. Non mais écoute bébé, tu dois réagir. Non mais bébé, nous devons réagir parce que comment Sly peut venir à ton bureau et te menacer avec un flingue? Ma chérie, je réfléchis à une solution. Mais plutôt de réagir. Bébé, ne me dis pas que tu réfléchis parce que c'est... Ma chérie, je te promets de faire quelque chose à propos de ça. D'accord? Tu dois te calmer. Mais actuellement, il y a autre chose de plus important que j'aimerais faire. Oh! Oh, ma jolie. Joy. Oui, monsieur. Comment oses-tu? Tu as poussé des ailes, c'est ça? Maintenant, tu peux faire ce que tu veux de ma maison, c'est ça? Hein? Je ne comprends pas, monsieur. Comment oses-tu maltraiter ma femme? Comment oses-tu? Tu sais que tu peux la blesser? Et mon bébé aussi? S'il vous plaît, monsieur, je n'ai rien fait. Je l'ai juste demandé de réduire le volume de la musique. Fais très attention à toi. Parce que je n'accepterai pas que tu continues d'agir comme si tu travaillais pour Merci. Parce que Merci est parti pour toujours, ok? Camille est ta nouvelle patronne. Et je n'accepterai pas que ma femme se plaigne à propos de toi. Plus jamais, je te dis, plus jamais. Tu es censé obéir à tout ce qu'elle te dira et ne jamais la désobéir. C'est compris? Sinon, tu quitteras cette maison. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, monsieur. Ça n'arrivera plus, monsieur.
Alors dis-moi, à quoi penses-tu? À rien. J'ai compris que les gens se marient et qu'un jour ils divorcent aussi. Vraiment? Tu es sûr que tu es prête à divorcer? J'aimerais tellement. Mais je n'y suis pas encore prête. Je l'aime toujours. Tu l'aimes toujours. Malgré tout ce qu'il t'a fait, tu te vois un peu là. Mais que veux-tu que je fasse alors? Mais que tu t'en sortes, ma chérie. Lève-toi, arrange-toi, sors un peu, fais-toi belle. Et tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, je te soutiens. Tu n'es vraiment pas sérieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas une meilleure façon de se venger. Je finirai par me perdre moi-même. Petit, ta, petit. Voyons, grande sœur, ce n'est plus le temps de penser à cet insensé. Allez, ne perds pas le temps, sors un peu, éclate-toi, tu as mon soutien. D'accord? Ma chère, n'essaye même pas. Ou bien tu penses que je suis en train de blaguer? Je te dis que... Pas un geste. Démarre et on y va. Je te dirai où est-ce qu'on va. Vas-y, démarre la voiture. Obéis simplement à mes ordres. S'il vous plaît. Je te demande de démarrer la voiture. D'accord. N'essaye même pas autre chose. Si tu prends encore ce téléphone, je te place une balle dans la tête. Conduis. Démarre la voiture tout doucement et tu roules. Vas-y, vas-y. Je vous en prie, ne faites rien de grave, ne me tuez pas. Je vous en prie, ne me tuez pas. Je vous en prie, pardon. Je t'ai déjà demandé de ne pas essayer autre chose. Je ne m'amuse pas. D'accord. Où est-ce que je dois passer? Va à ta gauche. Cette route? Oui, c'est ça. Continue. Qu'est-ce que tu fais là? Conduis. Je vous en prie, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Maintenant, on va doucement. Voilà, très bien. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Tu peux te taire là? Chut. Ferme ta gueule. Tu veux goûter à ça là? Tu veux goûter à ça? Est-ce que tu es morte? Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? C'est parce que je t'avais averti. Je t'ai demandé de quitter cette maison, de quitter dans les entourages, de ne plus habiter le quartier. Et aujourd'hui, ça fait 7 jours. Et tu es encore là? Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Tu aimes les problèmes, c'est non, ça? Et c'est non. Ça que je vais te donner maintenant. S'il te plaît, je t'en prie, je ne veux pas de problème, tu peux pardon. Fermer ta sale gueule. Je t'en prie, je ne veux pas de problème, pardon. Tu sais, quand j'aurai fini avec toi, je vais te tuer et exposer ton corps. Ah. Les gens verront ton corps, c'est ce que tu mérites. Ah, Sly. Ferme ta gueule avant que je te tue. Tu veux que je te mette une balle dans la tête? C'est ça tu veux? Voyons, ça sent bon, n'est-ce pas? Ça sent bon. Ça, c'est un flingue qui m'a coûté une fortune. Et je l'ai payé il n'y a pas longtemps. Et je pense que je commence par toi. Et ceci après le traitement entre tes jambes. Parce que ta présence dans cette maison m'a assez causé d'insomnie. Il faut que je finisse avec ça aujourd'hui. Tu m'as obligé. Je n'ai pas le choix. Comme tu as décidé d'arracher le bonheur à ma sœur, c'est ce que tu mérites. Je t'en prie, s'il vous plaît. Je vais te faire laisse-moi ça. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Que je te pardon, laisse. Je vais te donner tu penses ce que, tu veux. C'est ce que je veux? Tu penses que c'est ça? Je vais te laisser? Tu dois payer pour tout ce que tu as fait. Laisse-moi te dire que je vais prendre du plaisir en toi. Et quand nous allons finir, tu n'auras jamais l'audace de t'infiltrer dans des couples. D'accord? C'est ce que je vais faire. Ou bien tu veux que je le fasse par ici? Tu as de la chance parce que je suis tellement allumé. Et c'est par là que je prends mon plaisir. Pardon. Et cela se fait tout de suite. S'il vous plaît. Et comme ça, juste après, pardon. Tu retournes à la poussière d'où tu viens. S'il vous plaît. Non. Tout Jésus. Comment es-tu entré ici?
Tu as vu ce que ton frère m'a fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu aimerais me faire souffrir comme ça, toi avec ton frère? Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Veux-tu te taire et arrêter de bavarder? Et s'il te plaît, sors de ma maison que cela ne vienne de voir. Maintenant, sors, je dis. Hé, hey, reviens. Laisse-moi t'avertir. Je n'ai pas besoin de te faire mal pour que Charles revienne. D'accord? Je sais très bien ce que je dois vous faire tous les deux, si je le veux. Pour le moment, je laisse à Charles une chance de reconnaître son erreur et de retrouver ses sens. Crois-moi, je sais ce que je suis en train de faire. Maintenant, sors de chez moi. Allez dehors! Ça, c'est juste le commencement, stupide. Fly! Fly! Comment as-tu pu, Merci? Pourquoi tu as fait ça? Mais voyons, je voulais juste prendre ma part et ensuite l'envoyer en enfer pour toi. Sly, je sais que tu veux protéger mes intérêts, mais tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour l'accomplir. Je l'ai relâché parce que j'ai de meilleures façons de me venger d'elle. Tu es sûr? Oh oui, bien sûr. Crois-moi. J'étais allé juste à côté pour m'acheter des préservatifs pour bien s'occuper d'elle et voilà, tu l'as relâché. Préservatif, pourquoi faire? C'est quelle question ça? J'allais faire l'amour avec elle. Tu comprends ça? Sly, est-ce que tu vas bien? Est-ce que quelque chose ne va pas bien avec toi? Pourquoi es-tu si obsédé? Tu voudrais la tuer ou avoir des rapports avec elle? Tu veux quoi en fait? Poser les deux actes. Merde! Non mais tu dois vraiment être malade. Oh mon Dieu. Ah. Seigneur. Ça va, calme-toi. Oh mon Dieu, j'ai vraiment très mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Pourquoi son frère t'a fait ça? C'est cet infertile. Cet imbécile d'infertile. Bébé. Si tu avais été là pour voir comment ils m'ont maltraité. Oh, Seigneur, j'ai mal. Mais pourquoi n'es-tu pas allé directement au commissariat? Je ne pouvais pas. J'ai juste fui. C'est Sly. C'est ce Sly qui m'a emprisonné. Et il voulait juste... Il voulait juste me violer. Il disait qu'il allait me violer, tu sais. En fait, tu fais oublier tout ça. Il est juste apparu dans ma voiture, tu sais. Et il m'a conduit jusque chez eux. Et il a dit qu'il allait me violer. Tu sais, il a dit qu'il allait me violer, me tuer. Cette fois-ci, je ne me tairai pas. Il a essayé de te violer. Et pour ça, il doit répondre de ses actes devant le commissariat. Est-ce que j'ai été assez clair? Donc, la prochaine fois que tu rencontreras cet idiot, ce sera juste derrière les barreaux parce qu'il doit payer. Oui. Eh bien, appelle la police. Appelle-les. C'est bien fait. Vont payer. Ah, doucement. Ah, ces gens-là, vraiment. Ils m'ont tellement tapé, ils sont mauvais. Écoute, moi, je ne pense pas qu'on devrait la renvoyer, tu sais, parce qu'elle n'a rien fait. Ah, chérie, ça dépend, écoute. Fais juste ce que je te dis. Oui, écoute, elle n'a fait aucune erreur. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi la renvoyer alors? Vous m'avez appelé, madame. Oui, bien sûr. Je t'ai appelé. Joy, j'ai décidé de te remplacer. Oui, tes services ne sont plus intéressants. Donc, s'il te plaît, rentre à l'intérieur, ramasse tes effets et va-t'en. Je ne comprends pas, madame. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ah, tu n'as rien fait de mal. Disons juste que mon esprit n'arrive plus à t'accepter dans cette maison. Tu comprends? Et ça, ce poison que tu cuisines, que tu appelles nourriture, je ne peux plus le manger. Donc, je veux juste que tu ramasses tes effets et que tu t'en ailles. S'il vous plaît, madame, je vous en prie. Je n'ai nulle part où y aller. Écoute, ma chérie, ça ne me concerne pas. Tu peux aller le matin, la nuit, je m'en fous. Tu comprends? Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'entrer dans la chambre, ramasser tes affaires et partir. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Je n'ai aucun endroit où aller.
S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, je ne peux pas partir. Écoute. Elle est ma femme. Et c'est la patronne de cette maison. Et elle ne veut plus que tu sois ici avec nous. Voilà. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Hé, tais-toi là. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu as entendu ce que mon mari a dit? Alors, va dans la chambre, ramasse les effets et va-t'en. Je n'ai ni l'endroit où aller, madame, s'il vous plaît. Hé, bébé, attends. Joy. S'il te plaît, Joy, écoute, fais ce qu'elle dit et puis on verra le reste après, d'accord? Je te soutiendrai. Je dis, sors de chez moi. Sors de chez moi, hein, idiote. Sors et ne touche pas mes effets. Si je vois que tu as mis la main sur mes effets, tu vas voir. Hé, reviens ici, reviens. J'espère que tu n'as touché à rien de ce qui appartient à mon mari et moi, hein. Il n'y a que mes effets, vous voulez fouiller? Oh, d'accord. Non mais attends. M'as-tu juste posé cette stupide question? Non mais attends, tu m'as posé cette question? Tu veux que je te fouille? Imbécile, tu me prends pour qui? Tu es une sorcière, hein? Tu ne peux pas rester dans cette maison. Je veux rester dans cette maison. Je suis la propriétaire de cette maison. Allez, sors. Non, sors, sorcière. Sorcière, dehors, je te dis. Dehors. Joy. N'importe quoi. Joy. Charles. Joy. Charles. Joy, je vais t'appeler, d'accord? Je vais t'appeler. Tu vas appeler qui? Charles. Charles. Non mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux l'appeler pour faire? N'importe quoi. Elle veut m'énerver celle-là. Tu sais que Joy ne mérite pas tout ça, non? Donc c'est moi qui mérite. C'est moi qui mérite toutes les insultes et les conneries qu'elle me raconte, c'est ça? Non, mais c'est que tu as raison. Et c'est pas non, ce que non, je non, voulais non, dire. Merci, je le mérite. Oh, écoute-moi, viens ici. Ne me parle même plus, ne me dis plus rien. Viens, écoute, pardonne-moi. C'est pas ce que je voulais dire, ok? Je suis désolé. Je ne voulais pas te frustrer, ok? Yeah, oui, c'est pas ça, ce que je voulais mérite, dire, hein? S'il te plaît. Dis bien, parle bien. C'est bien, il n'y a pas de souci, je l'accepte, je le mérite. Viens ici, ma chérie, viens ici. Je ne vais pas parler. Ça va, bébé, calme-toi. Laisse-moi. Je te dis, laisse-moi. Laisse tomber, d'accord? Je ne veux rien entendre. Désolé, ma chérie. Mon amour à moi, désolé. Hein. Oh, d'accord. Laisse-moi tranquille. Allez, ça va. Allez, bébé, ça va. Hey, Joy. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Mais qu'est-ce qui te concerne dedans? Oh, elle veut m'insulter. Oh, j'ai compris. Mon ami a fini par te renvoyer de la maison. C'est la vie qui est comme ça. Toi et ta copine, vous pouvez aller en enfer après avoir mangé l'argent de Monsieur Charles, ok? Tu penses que je ne sais pas? Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire, d'accord? Désolée, chérie, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de briller. Ni toi, ni merci ne peut nous empêcher, ni même Sly. Laisse-moi te donner un conseil. Va te chercher un bon travail et agis comme si tu ne sais rien de ce qui se passe dans cette maison, d'accord? Folle. Ma chérie. Vas-y, entre. Tu peux t'asseoir? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ta domestique en ville. J'ai fini par la renvoyer, celle-là. Ah, ça veut dire quoi même? Je t'en prie, oublie ces conneries. Tu sais, il fallait que je la renvoie. Tu as bien fait. Ah, sinon, elle allait créer des problèmes. Tu imagines qu'elle me sépare mon mari et moi? Je ne peux pas permettre ça.
Comme elle est partie là, j'imagine un peu ce qui attend Monsieur Charles dans cette maison. Je te dis non, ma chère, donne ton sec. Oh ma chérie, donne-moi ta main. Tu connais la chose. Ah, il faut faire ça, hein. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux boire? Dis-moi. Donne-moi quelque chose. Hein, quelque chose comme quoi? Dis-moi, je réfléchis. J'oubliais. Et notre bébé Charles? Hein? Pardon, attends, hein. Attends, tu l'as appelé comment, notre bébé Charles, hein? Notre chérie. Non, ma chérie, comment notre bébé? Écoute, mon mari, ne va même pas là-bas pour moi, ma soeur. Nous sommes des amis. Non, mais attends, on est amis, d'accord, mais attention, hein. Ah, toi aussi, c'est mon mari. C'est mon seul mari. Et il va très bien, il est sous la douche, en vas-y, maman, le Ah, c'est mon mari, hein, pardon, laisse-moi aller te chercher quelque chose à boire. Au fait, tu veux boire quoi? Toi-même, tu sais, non, tu veux champagne. Hein? Dis encore. Champagne. Tu sais déjà ce tu veux boire champagne. Donc toi tu es là maintenant, c'est champagne qui te plaît, hein? Champagne. Ne te fais pas, je vais aller te chercher ça. Attends, je reviens avec ton champagne, ma chère. Chérie, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire avant que tu ne descendes. Bébé. Seigneur, tu es vraiment très beau. Si frais et si mignon. Oui, mais que fais-tu ici? Non, mais quel est ce genre de question? Pourquoi tu te caches, tu sais? Tu es si beau. Arrête, n'aie pas honte. Bianca, qu'est-ce que tu es en train de chercher ici? D'accord. Je suis venue seulement pour te saluer et voir comment tu allais. Mais ne t'en fais pas, ne crie pas. Écoute, je ne suis pas intéressée par ta salutation. Et ici, c'est ma chambre privée. Alors, veux-tu t'en aller? C'est juste que je suis intéressée par toi. Mais pourquoi? Mais écoute, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Veux-tu sortir de ma chambre? Je te l'ai déjà expliqué, je vais avoir le goût. Sors de ma chambre. Sors maintenant. Écoute, sors, je dis. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sors de ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je te veux. Mais écoute, tu n'es pas bien? Je te veux. Bianca? Bianca? Salut bébé. Je suis allée le chercher pour toi. Charles, tu t'en vas déjà? Oui, désolé bébé, je dois y aller parce que j'ai des réunions. En plus, tu as ton ami qui est là avec toi, n'est-ce pas? Exactement Charles. Je veux vraiment prendre soin d'elle, d'accord? Pas de souci. Ne t'en fais pas quand tu es dehors, je suis là. Je m'occupe de Charles Junior. Trésor, je t'aime, tout à l'heure, bisous. Écoute, où est la nourriture? J'ai vraiment très faim. Du riz, il y a du riz, allons. Oh, j'ai trop faim, ok? Merci beaucoup, ma chérie. Tu manges pas? Non, j'ai déjà mangé, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Charles et sa nouvelle femme m'ont renvoyé de la maison. Quoi? Ils ont fait ça? Oui, madame. Oh, Seigneur. Je n'arrive pas à y croire. Mais j'étais sûre qu'ils allaient le faire. Honnêtement.
vraiment. C'est quoi cette histoire? Mais alors, où est-ce que tu vas maintenant? Avec tous ces bagages? Je voudrais retourner au village vers mon oncle. Ah, chez ton oncle? C'est loin d'ici? Non, pas trop. Près du marché. D'accord. Mais attends, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'y emmener, ok? Je vais te déposer près du marché et tu pourras prendre le taxi pour y aller. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Pour vous. Bonsoir madame. Bonsoir. J'ai vu l'annonce que vous avez postée au dehors pour la domestique, c'est pourquoi je suis venue. Donc as-tu déjà fait ce travail une fois? Oui madame, je l'ai fait toute ma vie. Toute ta vie? Et pourquoi es-tu actuellement sans emploi? Ah, madame, mon précédent patron a voyagé aux États-Unis et il a fermé toute la maison. Ah. D'accord. Je vais te donner le travail. Merci, madame. Je suis très exigeante et je n'aime pas qu'on fasse des bêtises. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame. D'accord. D'accord. Ton travail commence aujourd'hui. Merci, madame. Hé, attends, on revient ici. Tu m'as pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Désolée, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que je voudrais? Apporte-moi juste un peu de glacé. D'accord, madame. Hé, hey, toi! C'est quoi ton nom? Kira, madame. Kira. Kira? Aquaman. Trop beau pour le nom d'une domestique. D'accord. Je vais t'appeler comme ça. Chérie, tu manges et tu ne dis rien du tout. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ton repas est super. Trop délicieux, super. Tu as trop fait, tu as bien préparé. Donc ça veut dire que tu n'as pas apprécié mes autres repas, c'est ça? Non, voyons. J'ai compris, hein. C'est bon, c'est bon. C'est d'accord. Dans tous les cas, je dois te dire que j'ai un employé nouvelle domestique. Tu as quoi? J'ai employé une nouvelle domestique. Donc son salaire est de 100 000 francs. Ok, pas de soucis. Tu veux dire 100 000 francs par an? Non bébé, je te parle de 100 000 francs par mois. Tu sais, je suis enceinte et je ne peux plus faire tout dans la maison, tu sais. Mais d'accord, si tu penses que l'argent est trop, il n'y a pas de problème, tu ne pourras pas payer grande chose. Je vais donner la moitié, tu donneras le reste parce que moi, je pense qu'elle est essentielle pour moi. Oh bébé, ça va, d'accord? Je vais le payer, il n'y a pas de problème. Je vais le payer, d'accord? Oh, merci bébé. Tu sais que tu es le meilleur. En tout cas, ce repas, je l'adore et je suis prêt à dire oui pour tout. Je le sais déjà. C'est sérieux. Ce repas est doux. Il en reste encore? Bien sûr qu'il y en a. Il y en a toujours. Ah, parce que j'en veux plus, hein? Kira! Merci. Tu sais que j'ai oublié de t'en parler. J'ai vu Joy aujourd'hui, hein. Hé! Hey. Cette fille l'a renvoyée. Je l'ai vue en train de partir avec son sac. Ils l'ont finalement renvoyée. Tu es sérieuse? Oui, vraiment. Je lui ai même proposé d'aller la déposer chez elle quand je l'ai vue au bord de la voie. Oh! Vraiment, merci. Et elle n'a même pas demandé à venir me voir. Ah, ce n'est pas gentil. Ma chère, oublie le fait qu'elle ne t'ait pas appelée. Tu sais ce qu'elle traverse. Elle aurait pu venir te voir. Ou d'ailleurs même, propose-lui donc de venir rester ici avec toi et Sly. Quand même, elle pourrait vous aider. Ne pense même pas à ça.
Sly va violer cette fille, le même jouet mettra ses pieds dans cette maison. Ah, eh bien, si tu le dis comme ça. Mais tu sais que tu parles de ton frère quand même. Mais ce n'est pas une blague. Écoute, tu devrais voir le nombre de filles qui viennent dans cette maison. Ah, je suis même fatiguée. J'ai honte de moi-même. Es-tu en train de me dire que Sly ne peut pas... D'accord. Ce Sly, en tout cas, eh bien, merci. Je ne peux pas blâmer le gars. Tu sais, il est bien fort et bien géant, c'est ça les femmes veulent. Hey, Sly, Sly. Oh, tu es la nouvelle domestique, c'est ça? Oui, monsieur. Comment t'appelles? Je m'appelle Kira, monsieur. Kira. Ah, bébé. Oui, ma chérie. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, bien sûr, je vais bien. Seulement, je dois vite y aller. Attends un instant. Ah oui, j'ai oublié ça. Ok, ma chérie, tout à l'heure. Bye. Ok. Tout à l'heure. Kira. Madame. Viens ici. Alors, as-tu déjà cuisiné? Que Dieu n'ose, madame. Mais que Dieu n'ose quoi? Tu es stupide? Je te demande si tu as déjà fait le petit déjeuner. Hé. Hey. Madame, un instant. Un instant. Pardon, dégage, elle va me faire ça. Idiote. Never thought you'd have to leave me now.